Un point plus important dans le pays, c'est la question de sécurité. Nous voyons que la police nationale d'Haïti, à travers l'unité spécialisée, eh bien, il était opéré une opération qui était fait tout Haïtien fier, qui était délogé et une opération de déguerpissement sous M. Envergure qui retirait un problème dans le pays, un problème qui était un problème grave. Donc, moi, comme chef CSPN, c'est assurer que la police là fonctionne dans de bonnes conditions, que y a un moyen nécessaire et pour venir parler avec pour venir féliciter tout et tout parce que la police là c'est une institution qui que tout le monde compte sur lui, tout le peuple haïtien compte sur la police là et il est important tout le que dirigeant yo vini passe un petit moment avec eux, parler avec eux et puis comprendre besoin yo pour nous voir comment nous avons avancé. Moi je voulais que CSPN yo dynamique, je voulais comprendre le problème que la police a gagné pour que dans CSPN yo nous capable arriver porter correction. Donc président de la République l'a demandé moi vini chita avec DG la police là avec secrétaire d'état pour qu'a comprendre mesure pour féliciter troupes qui t'mener action yo et en même temps tout pour nous capable implémenter un plan de renforcement de capacité policière yo. Donc c'est comme ça que nous allons dans Simo et nous sommes dans Simo, nous venons ici dans SWAT et pour nous les conditions de vie, comment pour nous capables d'améliorer non seulement les conditions de vie, mais de renforcement humain et renforcement structurel. Là. Donc, je demande donc DG la police et secrétaire d'État préparer pour nous un rapport de besoin. Rapport de besoin immédiat que nous constatons et on fait un rapport de besoin immédiat ça avec le président nous allons décider exactement côté que nous allons investir côté que nous allons renforcer avant et qui sera la priorité parce que le renforcement de la police c'est une priorité pour le gouvernement Matéli-Lamotte.